Bien le bonjour chers internautes d'internet. Non plus sérieusement, yo tout le monde, c'est Toto du 2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Voilà, c'est une vidéo news du coup. Une vidéo news, voilà. Donc maintenant je vais essayer d'en faire à chaque nouvelle mise à jour de Fortnite. Donc aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais du coup, c'était ce mardi dernier. On a eu la mise à jour 20.10, donc c'est la première mise à jour de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. Et donc du coup nous avons directement commencé avec un truc assez spécial. Il fallait aider les 7 à sauver le Daily Bugle. Enfin sauver, à reprendre le Daily Bugle. Du coup, je vous mets un petit extrait, on se retrouve juste après. Comme vous avez pu le voir, les 7 gagnent forcément. Et oui, voilà, c'était totalement logique. Léo ne peut pas gagner. Voilà, sinon le combat dure indéfiniment. Vous êtes obligé de les aider. Sinon le combat est indéfini. Donc, voilà, le Daily Bugle va être repris dans quelques jours par les 7. Le Zeppelin, entre parenthèses, le truc qui vole, va bientôt être détruit aussi. Il va bientôt s'écraser, je crois, au nord du Daily Bugle, je me trompe pas. Ça a été leak par Ipex, donc c'est une source assez fiable, on va pas se mytho. Donc voilà. Et ensuite, du coup, sur cette map, nous avons eu aussi un changement près de Logjam Lumberyard, plus précisément à l'est de Logjam. Alors on a eu une tour de Lio qui s'est fait totalement exploser. Donc de loin, vous pouvez le voir comme là les extraits qui sont en train de passer actuellement, une grosse fumée. Et aussi, vous pouvez voir qu'il y a eu une grosse explosion. Mais vraiment une très 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 grosse. Là, rien à dire dessus, c'est vraiment très gros. Et ensuite aussi, du coup, nous avons les Clombos aussi. Oui, les Clombos, on n'arrêtait pas de m'en parler. Les Clombos sont enfin de retour. Et oui, on peut les voir du coup dans leur... Ils sont en train d'hiberner en ce moment. Vous pouvez les voir du coup à différents endroits dans la map. Au nord, au nord du coup de Logjam Lumberyard. Dis donc, il y a plein de trucs qui se passent là-bas en ce moment. Mais du coup, voilà, ils sont au nord de Logjam Lumberyard actuellement. Et aussi, vous pouvez voir dans le désert, près de Kondo Canyon. Et oui, c'est ça, même chose, ça, il y a beaucoup de monde qui m'en a parlé. La famille en pierre, qu'on pouvait voir déjà depuis le début de la saison, est enfin sortie du coup de ce désert, enfin, de ce sable. Ok. Et ensuite aussi, nous avons eu le retour du Barrette. Et oui, le Barrette, le fameux Barrette, voilà, il est de retour. Malheureusement, il ne peut plus one-shot, du coup. Il sera forcément en mode, du coup, 198 max. Voilà, si jamais vous mettez une balle tête, il mettra 198 et non 200. Donc, c'est pas très très ouf, on va pas se mytho, parce que après, enfin ça change votre mode de jeu déjà, parce que je pense que là vous du coup vous serez beaucoup moins utilisé le barrette, parce qu'il ne mettra pas de moins 200. Et pour terminer du coup cette vidéo, nous avons eu aussi les super seals que je vais vous montrer, voilà, à part, ils sont enfin disponible. Donc ça fait très extrêmement penser au chapitre de saison 6. Donc pendant le chapitre de saison 6, nous avions eu comment est-ce que ça s'appelle déjà? Des super styles du coup qui étaient assez cubes, je dirais, et qui avaient des effets de cubes. Donc je vais vous les montrer maintenant.
bien, donc je pense que vous avez pu voir à quoi ressemblaient ces super styles. Donc maintenant, nous allons passer à notre dernier thème de cette vidéo. Et oui, du coup, nous avons un nouveau skin qui est sorti dans les fichiers du jeu. Un seul, voilà, malheureusement. C'est le skin Sorina. Donc là, il est en ce moment sur votre écran. Voilà, du coup, ce skin-là est sorti, voilà, pendant cette mise à jour. Rien à dire de plus, c'est dommage, il n'y en a que un. Mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà mieux que rien. Et puis voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Et du coup, on va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. En tout cas, elle m'a pris beaucoup de temps à faire, du genre 3-4 heures, je dirais. Donc, franchement, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis aussi, même chose, si elle ne vous a pas trop plu, n'hésitez pas à m'en faire part, du coup, pour savoir ce que je pourrais améliorer ou changer. Et puis, du coup, on va se laisser là-dessus. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Allez, salut!